Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors, si tu souhaites savoir comment générer quelques revenus en ligne avec le site kiwi.com, alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais t'expliquer comment tu vas faire cela. Étape par étape, je vais t'expliquer, je vais te montrer comment tu peux entièrement automatiser ce système jusqu'à ce que lorsque tu es en train de dormir, alors tu seras en train de gagner comme cela de l'argent avec ce système que je vais te présenter dans cette vidéo. Donc, kiwi.com, c'est un site de réservation en ligne. Donc, Kiwi s'en charge de trouver les offres les plus moins chers sur internet et leur lister sur le site. En passant par Kiwi, par exemple, tu peux réserver les offres d'avion, les offres de logement et bien plus encore, très moins cher. Donc Kiwi s'en charge de faire ce qu'on va appeler un comparateur d'offres en ligne, et nombreux connaissent le site Kiwi, et Kiwi génère vraiment des millions et je dirais même des milliards en termes de chiffres, dans euros, dollars. Donc la plupart des gens, par exemple, lorsqu'ils veulent voyager, qu'ils veulent aller peu importe dans quelconque pays, ils vont se référer à Kiwi pour savoir quel est le vol le plus moins cher pour ma destination. Alors ils vont passer par Kiwi pour réserver ses vols. Donc Kiwi propose un programme d'affiliation et c'est là où nous allons nous baser pour pouvoir générer des revenus. Et pour pouvoir faire cela, donc tu vas simplement t'inscrire au programme d'affiliation de Kiwi. Donc je t'ai laissé un petit document qui va t'expliquer comment tu vas faire cela. Une fois que tu es dans le programme d'affiliation de Kiwi, tu as la possibilité, par exemple avec YourTool, donc tes outils, par exemple tu es influenceur, tu peux prendre le deep link pour créer un lien comme cela et mettre par exemple dans ta bio. Et lorsque les gens vont cliquer dessus, alors ils seront redirigés sur Kiwi et toutes les recherches par exemple qu'ils vont faire ici de leur destination, par exemple où ils veulent aller dans le monde et tout, en remplissant ces informations en cliquant sur explorant, alors s'ils passent par ton lien affilié, pour réserver, alors tu touches des commissions. Donc par exemple, ça c'est l'aspect pour les influenceurs sur les réseaux sociaux. Ou par contre, si tu as un site web, tu peux prendre simplement Widget et tu crées ton nouveau Widget. Tu vas simplement entrer des informations. Donc nous voyons par exemple que Kiwi avec les Widget va payer 3% de commission. Donc et tous les autres détails sont référés dans leurs conditions d'utilisation pour les affiliés. Donc à toi d'aller regarder cela. Si cela te convient, alors c'est une bonne chose. Donc tu peux créer ton Widget et insérer cela par exemple sur ton site internet. Si tu as un site qui parle par exemple de voyage, randonnée et bien plus, alors tu peux mettre l'outil, donc le Widget Kiwi sur ton site, et lorsque les gens vont rechercher cela en passant par ton site, alors tu vas toucher des commissions une fois qu'ils auront réservé leurs offres de vol sur Kiwi comme cela. Donc l'autre aspect pour aller plus loin, c'est de prendre par exemple ce logiciel que nous avons créé, donc mon équipe et moi, qui s'appelle VacMatchy. Donc tu prendras simplement le logiciel. Donc l'aspect de faire tout ce qui est manuel ici, le logiciel va s'en charger d'automatiser en fait toutes ces tâches pour toi. Voici par exemple un exemple de site que tu peux créer avec VacMatchy. Donc mon logiciel, tu trouveras la description, tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Donc voilà par exemple un système entièrement automatisé. Le trafic provient de Google, donc Google va t'envoyer des visiteurs comme cela gratuitement. Le principe ici, c'est que nous avons déjà donc développé un système auquel où nous avons intégré tous les outils qui vont te permettre de présenter par exemple un logiciel comme ceci. Lorsque les gens par exemple vont dire je veux quitter de telle place pour par exemple de la France pour New York, lorsqu'ils vont cliquer sur rechercher, alors notre logiciel avec tout ce qui est API de Kiwi, donc par exemple au niveau de affilié setting ici, donc une fois que tu auras cliqué, tu vas venir par exemple au niveau de affilié setting, tu vas entrer ton identifiant affilié, et lorsque par exemple les gens vont venir en passant par exemple par ce logiciel que nous avons développé, donc nous voyons par exemple que nous avons cette offre ici qui a 279 €. Donc la personne par exemple en cliquant ici, si ça en va par exemple pour réserver sur le site Kiwi, alors tu vas toucher des commissions. Donc déjà il passe par le logiciel, et ici nous avons également mis plusieurs systèmes pour que tu puisses faire de l'affiliation et toucher des revenus comme cela. Donc tu peux t'en rendre compte que le site directement, lorsque la personne a cliqué, cela lui a redirigé sur Kiwi pour lui présenter les offres les plus moins chères. Donc là il peut par exemple cliquer sur continuer
combien. S'il réserve cette offre, alors tu touches des commissions. Et directement, le loussier s'en charge également de charger hotlook.com. Donc, c'est également un autre système comme Booking pour pouvoir réserver directement les logements en ligne. Donc, je vais simplement retourner par exemple ici. Et ici également, le système va s'en charger de te lister par exemple des offres de TickWest, donc pour réserver des tickets en ligne, voilà un peu. Donc si la personne maintenant passe par exemple, si clique comme ceci et qu'il s'en va ici, donc nous voyons là que nous sommes sur TickWest, TickWest.com. Alors donc il peut réserver par exemple quelque chose d'un événement ou aller à un parc d'attraction, aller à Disney, donc tout ces trucs là. Et en passant ici, donc tu vas toujours toucher des commissions parce que au niveau du logiciel ici, nous avons intégré par exemple TickWest.com, donc affiliation. Tu entres juste ton ID affilié et un document par exemple Google Doc qui va t'expliquer comment tu vas faire tout cela. Donc, comment est-ce que tu vas t'inscrire sur TickWest? Comment est-ce que tu vas récupérer ton identifiant affilié? Comment est-ce que tu vas entrer cela dans le logiciel? Et le logiciel, maintenant, la particularité, c'est au niveau du trafic. Donc, nous avons ici trafic. Dans trafic, nous avons un système entièrement automatisé qui va, par exemple, te permettre de publier des offres de vol moins chères automatiquement dans les groupes Facebook. Donc, on a, par exemple, le trafic qui provient de Facebook. On a le trafic qui provient de Reddit. Et le trafic de Google est entièrement automatisé parce que le système du logiciel, c'est que lui, il va s'en charger de rechercher les offres les plus moins chères sur Kiwi et les lister directement sur ton site comme ceci. Donc, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle offre, le logiciel va faire la mise à jour. Alors Google trouve que il y a une interaction et Google va t'envoyer du trafic comme cela gratuitement. Donc voilà un peu le principe de ce logiciel pour faire de l'affiliation avec Kiwi.com de façon entièrement automatisée. Donc le principe est simple. Une fois que tu as pris ta copie de ce logiciel, donc tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Donc pour moi, bon. Donc, les interfaces vont être différentes en fonction de ta licence. Donc, au niveau du site ici, tu peux par exemple cliquer sur Créer News, Add New Site, Site. En fait, tu vas dire site par exemple, affiliation, offre de vol. Par exemple, c'est à toi d'entrer le nom. Et ici, par défaut, donc nous te donnons directement un sous-domaine. Tu n'as pas besoin d'acheter un nom de domaine pour pouvoir faire ce business. Donc, tu as un sous-domaine directement. Offert comme cela, donc tu peux dire mon par exemple affiliation ici. Donc bon, j'ai bien séparé, ça va dire non, mon affiliation. Bon, par exemple, offre de vol. Donc tu auras par exemple un sous-domaine, mon affiliation offre de vol point le domaine.com. Et ici par exemple tu peux ajouter plusieurs langues, tu peux avoir ton site en anglais, en allemand, en français, donc en French. Donc en français, tu peux mettre plusieurs langues. Donc le logiciel supporte plusieurs langues. Et si tu vas également mettre les devises que tu aimerais sur le site, euro, dollar, livre sterling, yuan, et bon, ça va dépendre de toi. Où est-ce que tu, donc le public cible, premièrement, si nous ciblons par exemple dans la zone Europe, on va peut-être prendre soit France, soit Belgique. Bon, en fait, les pays avec pauvre pouvoir d'achat, par exemple, on va dire, bon, c'est Suisse-Zélande. Bon, ok. Donc, Suisse-Zélande, la Suisse. En fait, en fonction du pays que tu aimerais cibler là-bas, tu vas sélectionner l'aéroport de départ. Donc, tu peux prendre ou par défaut, tu laisses comme ceci. Ensuite, tu vas simplement cliquer sur Next. Et une fois que tu auras créé ton site, donc je ne vais pas le faire. Donc, tu auras par exemple ce site, tu peux cliquer sur Open. Et tu vas directement prévisualiser par exemple ton logiciel comme ceci. Donc, et tu as la possibilité de personnaliser cela comme bon te semble. Si je clique par exemple sur Edit, donc je peux voir ici que j'ai bon vol, j'ai donc la possibilité également d'ajouter ton nom de domaine. Tu peux le faire. Donc ici j'ai mis par exemple ce nom de domaine labonnepage.com. Il te suffirait, en fait il y a un petit tutoriel pour te montrer comment ajouter le nom de domaine. Il suffirait que par exemple tu prennes ton nom de domaine, soit AWS, OVH, bon, GoDaddy, tous ces sites, bon bref tu connais.
Et tu vas simplement aller au niveau des DNS, tu vas créer un enregistrement A, donc tu vas faire que ton DNS peut pointer vers cette adresse IP. Donc le certificat est celle recommandée, donc le certificat va s'installer automatiquement. Et par la suite, ici, tu peux personnaliser ton site comme bon te semble. Donc il y a énormément d'options, page d'accueil. Subscribe banner, on a médias sociaux, tu peux ajouter tes liens de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, et toutes les autres informations au niveau des affiliations. Tu vas entrer tes liens affiliés, tu vas entrer tes identifiants affiliés et ainsi de suite. Une fois, tu vas simplement cliquer sur Save et bon, voilà, ton site est en ligne. Donc voici par exemple un site par exemple avec un sous-domaine. Donc ça c'est pour un client. Donc le site va se charger. Donc tu peux t'en rendre compte là que nous pouvons personnaliser ce logiciel. Le logiciel entièrement automatisé et personnalisable à 100%. Tu peux choisir tes polices d'écriture, tu peux choisir ta couleur. Donc une fois que tu as fait tout cela, tu as deux possibilités d'avoir du trafic pour pouvoir commencer à toucher des revenus. Simplement, la première possibilité, c'est Google. Donc, Google va t'envoyer du trafic automatiquement, mais Google est un peu lent. Je ne recommande pas de se focaliser uniquement sur Google. Une fois que tu as créé ton site, tu peux prendre par exemple ton sous-domaine. Comme ce sous-domaine, tu peux créer un compte sur TikTok, Instagram et peut-être Facebook, créer des reels par exemple pour des meilleures places à visiter dans le monde. Et tu ajoutes cette URL dans ta bio, comme cela, lorsque les gens vont cliquer, ils pourront venir ici, réserver leurs offres de vol, chercher leur destination où est-ce qu'ils veulent voyager. Le logiciel va s'en charger donc de rechercher les offres les plus moins chères et de proposer directement à ton visiteur comme cela. Donc une fois s'ils cliquent ici, ici nous sommes en version anglaise, si on prend français. Alors la langue va directement changer automatiquement. On peut ajouter autant de langues qu'on souhaiterait. Donc si je prends là et que je clique sur rechercher, donc nous avons là contact. Il y a un système de blocs également. Tu peux bloguer ici. En fait, c'est un système tout en un pour pouvoir faire de l'affiliation dans les offres de vol. Et par exemple ici, on précise en fait aux visiteurs que c'est un lien affilié. Mais tu as la possibilité de supprimer cela dans le logiciel si tu n'aimerais pas présenter cela. On présente également ici que ce sont des liens affiliés, donc liens sponsorisés.